La SRR est très contente et fière d'organiser cette année le championnat de France de match racing. C'est une épreuve qui se déroule sur 4 jours, qui regroupe les meilleurs équipages français. Ils sont 12 représentant l'ensemble des bassins de navigation français. Et ils vont s'affronter pendant 4 jours avec des round robin, des demi-finales et des finales pour sacrer le champion de France de match racing. Trois quarts du round robin, je pense, des phases de qualification. On a fait une plutôt très bonne journée hier parce qu'on a gagné 4 matchs sur 5. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. On en a perdu un peu plus, mais voilà, on continue de se roder. L'objectif restant évidemment de rentrer dans les 7 premiers pour passer en quart de finale ce soir. C'est le deuxième jour là, ça commence plutôt bien pour nous. Hier, on a fait 5 matchs. Conditions un peu faibles et on a marqué nos 5 points. Et là, on vient de faire 2 matchs aujourd'hui, là, cet après-midi. On a aussi marqué nos 2 points. Du coup, pour l'instant, on a 7 victoires, pas de défaite. Donc ça se passe plutôt bien pour nous. C'est un bon début de championnat. Maintenant, ça reste les qualifs. On reste concentré pour passer en phase finale et surtout progresser et se sentir à l'aise quand on va attaquer les phases finales. Avec les filles, on se rencontre assez souvent, on est partenaires d'entraînement, on match beaucoup ensemble et ça nous arrive assez régulièrement d'avoir ce genre de petites erreurs qui fait que les matchs sont rejoués alors qu'il y a un avantage qui est marqué pour l'autre. Du coup, ça nous a fait sourire. On les connaît bien, c'est toujours marrant contre eux. Et il y a eu une erreur de pavillon, ce qui nous est arrivé plusieurs fois contre eux. Et pour une fois, ça a plutôt tourné en notre faveur, donc nous sommes ravis.